Quelles sont les précautions que les conducteurs doivent prendre vis-à-vis des piétons en cas de pluie? En cas de pluie, je dirais que les automobilistes doivent plus être indulgents envers les piétons. Et aussi, ils doivent avoir vraiment un bon essuie-glace pour mieux voir devant et être à vitesse vraiment très très modérée. Il faut d'abord que les personnes au volant soient indulgentes envers les piétons, ça c'est déjà un. Ils doivent aussi avoir un bon essuie-glace, bien évidemment, pour pouvoir mieux voir la route, pouvoir circuler. Il faudrait que ces conducteurs soient vraiment indulgents. Il faut d'abord respecter le code de la route, au moins respecter le code de la route en saison pluvieuse. Quand c'est jaune, cela ne voudrait pas dire d'accélérer. Il faut marquer l'arrêt. C'est carrément marquer l'arrêt. Et puis, s'il le faut, si le conducteur aussi doit se mettre à l'abri, attendre après la pluie pour circuler, ce sera aussi mieux. Quelles sont les précautions que les conducteurs doivent prendre vis-à-vis des piétons en cas de pluie? La pluie rend les conditions de conduite difficiles. Les conducteurs doivent prendre des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité des piétons. Pour réduire significativement les risques pour les piétons et contribuer à une sécurité routière globale, il faut accroître la vigilance, réduire la vitesse, améliorer la visibilité, être patient et courtois.